Oh,
J'arrive dans
à réprouver ce calvin.
s'exprimait, je connais son visage. Quoi, cher baron, je te revois. Un baron, un baron, à son équipage, on irait un simple bourgeois. À votre poste, il faut vous rendre. Paradis, il y aurait quitté pas. C'est pas le colonel, et si c'est pas sa vie, comme il est tendre. À votre poste, il faut me rendre. Le colonel, si c'est pas, et nous savons comme il est tendre. Allons, mais ne le dites pas. Enchantée de mes talents, elle m'appela gracieusement Marquis Cantarelli. Et puisque le marquisat m'amenait à de nouvelles faveurs, je suis cornette dans les chevaux légers, prête à vous servir de tout mon cœur, à pied, à cheval, à la dague, à la rapière, et suivant votre bon plaisir. Oh, merci. Je suis aujourd'hui un envoyé pacifique. J'apporte un message amical de roi de Navarre à son beau-frère Henri III. Ah, oh, tant mieux. Ah oh, oui, les batailles sont de belles choses, mais ça ne vaut rien pour un chanteur. Non, 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 non! Mais que voilà! Voilà des œufs frais et un poulet que vous laissez refroidir! Sans façon, je vous dirais que sur la route de Paris, j'ai gagné un appétit qui me tiraille l'estomac. Asseyez-vous! Bien dit. Ah, on cause mieux ainsi! Alors, votre bon roi de Navarre, que nous demande-t-il dans le message que vous nous apportez? Mais sa femme, je crois. Ah. Son aimable Margot, comme il l'appelle. Eh bien, mon ami, vous ne réussirez pas dans votre ambassade. Non. La reine mère garde autour d'elle les jolies femmes comme un oiseleur les fauvettes en cage. Et sa fille Marguerite ne quittera pas plus la cour de France que sa compagne inséparable, son amie de cœur, mais rivale en grâce et en gentillesse. Quelle est donc cette compagne de la reine de Navarre? Comment ça? Vous ne la connaissez point? Allez, votre pise! C'est la charmante comtesse Isabelle de Montal. Oui! Nous connaissons tous cette noble famille de Béarn. Marguerite nous l'a ramenée de Gascogne. La pauvre enfant s'est trouvée comme une fleur des bois transplantée dans le parterre du Louvre. Et c'est un terrain, mon ami, où les boutons de rose épanouissent avec une grande facilité. Entendez-vous par là que la jeune comtesse soit enivrée par les hommages et les séductions de la cour? Non, je ne dis pas encore précisément, mais Marguerite l'a conduit au fait du roi, il faudra qu'elle adopte nos manières galantes. D'ailleurs, on m'a chargé de son éducation. C'est tout dire. Ah, maudit serpent d'Italien! Ah, mais nous la formerons! Soyez tranquille!
tranquille. Elle fera honneur à la Navarre. Ainsi donc, une foule d'adorateurs se dispute en regard d'Isabelle. Non, des adorateurs, non. Pour l'instant, elle n'en a qu'un, et qu'il a débarrassé de tous les autres. Diable, quand le marquis de Comminges se déclare serviteur d'une belle, arrière tous les parpaillots. Et quel est donc ce Comminges ? Colonel, dans la garde, et de plus un gaillard qui tire la rapière 3 à 4 fois par semaine, et autant de cavaliers sur le carreau. D'ailleurs, il expédie son monde avec une grâce, une aisance. Une noblesse. Les femmes en sont folles. Oh, vive Dieu! Tous ces spadas sont mignons, non timides, car un homme de cœur. Mais qu'est-ce que vous dites là? Si vous parliez comme ça devant lui, votre ambassade ne serait pas longue. Ah, j'entends la chasse qui revient. Oh, peut-être Isabelle. Sans doute. Allez au bout de la terrasse. Regardez bien et amusez-vous. Adieu. Adieu. Allez, buvons le coup de l'étrier. Comminges, que fais-tu là? C'est toi, mon ami, mon tendre ami, cher ami de mon cœur. T'es tout là. Je suis aussi là que mon cheval qui vient de s'abattre en arrivant. Au lieu de suivre Isabelle dans la campagne toute la journée, comme le roi me l'avait permis, j'ai été retenu à Paris. Un petit innocent, un cadet de Bretagne, m'a forcé de me déranger pour le tuer ce matin. Voyez-vous ce malhonnête? Hier, après la collation de la reine-mère, Isabelle remettait ses gants et en laissa tomber un. J'étais là. Moi, j'étais là, tout près. Et cependant, l'étourdi s'élance. Et s'étant saisi du gant, le porte à ses lèvres avant de le rendre. Ah, ma foi, pour le coup, il n'y avait plus moyen d'y tenir. Je lui serre les bras. Rendez-vous au pré au clair pour ce matin. Et que Dieu lui pardonne le temps qu'il m'a fait perdre. Oh, c'est incroyable, mon pauvre commun. On te fatigue sans cesse. Quoi? Que dis-tu? Mais rien du tout, rien du tout. Oh, la reine de là-bas. Et ma chère Isabelle? Vous ici, monsieur de Comminges. Mon frère vous a souvent demandé pendant la chasse. Le roi? Oui. Il poursuit encore un chevreuil. Moi, je suis lasse. J'ai voulu me reposer un instant chez ma filleule, la maîtresse de cette hôtellerie. Quand le roi partira, faites-nous prendre ici, je vous prie. Trop heureux de vous escorter, mesdames. Nous sommes aux ordres de votre majesté. Et la mascarade de ce soir, signor Cantarelli? Superbe! Io sono Scaramuccio e danzerò una sarabanda di follia! Enfin, mon enfant, nous voilà seul un instant, et je pourrais vous gronder tout à mon aise. Moi, madame? Oui, vous. Qu'est-ce donc, je vous prie, que cette tristesse morne au milieu de nos fêtes, et ce dédain pour les hommages de tous nos jeunes seigneurs? Grâce, madame, il faut me pardonner. Mais enfin, vous êtes mécontente de moi? Et ma mère, surtout. Elle m'a déjà dit au dernier bal du roi. Mais, vrai Dieu, Marguerite, à quoi songe donc cette mignonne de Gascogne que vous m'avez amenée? Elle est triste, rêveuse, elle s'ennuie enfin. On dit même qu'elle voudrait quitter Paris, ou par sainte de ma fille, dites-lui qu'elle est folle. Une orpheline qui a des vassaux et un riche comté dans la Navarre appartient à la couronne de France. Il faut que la colombe s'apprivoise, elle ne s'envolera pas des tourelles du Louvre. Et tout enfant de Calvin qu'elle est, je la ferai plutôt abbesse de Montmartre ou de Sainte-Claire de Chaillot. Constance! Et de quel droit? Quand je vous suis mise à Paris, vous deviez rester que peu de jours. Vous deviez rentrer auprès du roi, votre époux. Oui, je le croyais. Mais ma mère ne le croyait pas. Je suis en prison. Et vous pouvez souffrir cette contrainte? Vous plaire à cette cour trompeuse, à sourire à ces coupables folies? Si je souris, qu'importe. Nous sommes au Louvre, mon enfant. Et les physionomies n'y signifient rien du tout. Mais moi, je me saurais comment dire à la mienne. Oh, vous qui me protégez encore, tout m'est odieux dans vos palais perfides. L'air qu'on y respire est un poison pour moi. Isabelle. Je suis malheureuse. Vous pleurez. Calmez-vous. Thank you.
Allons, laisse-toi partir. Allons, laisse-toi partir. Il faut partir.
faux, mes petits mensonges le plus adroitement du monde. Peine perdue. Le roi s'est fâché, j'ai pris de l'humeur, et je suis sortie en déclarant que je ne paraîtrai pas au bal. Je vous l'ai dit, madame, il y va de mes jours. Depuis que j'ai revu celui qui partagea mes premiers jeux, celui que j'aime avec tendresse et que mon père appelait son fils. Parlez pas. Et surtout, laissons le désespoir, il n'est bon à rien dans ce pays. La ruse, mon enfant. Fiez-vous à la paix. Quoi ? Vous croyez donc qu'il existe un moyen ? Un seul. Votre fuite avec l'ami de votre enfance. Mon ciel, moi, reste d'une famille dont je dois conserver l'honneur. Moi, partir seule avec lui. Je l'aime trop, madame. Et voilà une raison merveilleuse. Je ne savais pas qu'il fallut détester les gens pour voyager avec eux. Et cependant, j'approuve votre sagesse. Alors, il faut donc que je vous marie secrètement, en dépit du roi et de la jalousie du terrible commun. Il faut que nous trouvions quelque chapelle bien obscure, bien retirée. Mais je n'y songe pas. Vous êtes une entité huguenote. Et la vue d'une église vous ferait tomber en syncope. Moi ? Moi ? Mais qu'importe ? Le temple ou les ministres, à qui veut chérir et garder son serment ? Dieu nous entend partout. Ah, ah, comme l'amour nous rend tolérants. Ah, on devrait bien charger le dieu malin de mettre d'accord Rome et Genève. J'ai déjà réfléchi. La conspiration s'arrange dans ma tête. J'attends un conjuré que j'ai fait avertir. Allez, allez, tenez-vous toujours pour vous tenir en haleine. Tenez, entendez-vous? C'est italien? Bon, allez, amusez-vous, je vais vous annoncer à votre marraine. Qu'est-ce donc? C'est la petite Nicette que la mascarade fait sautiller avec son fiancé Giraud. Mais votre majesté leur a donné rendez-vous. Tout à l'heure. C'est maintenant vos soeurs. Je veux recevoir. Je suis à vos ordres, madame. Écoutez, signor Cantarelli, toute la cour parle de vos talents, votre réputation est admirable, vous êtes l'intrigant le plus habile, et je veux essayer votre diplomatie dans une intrigue d'amour. Mais avant d'aller plus loin, sachez qu'il vous est impossible de refuser, et que je n'aurai qu'un mot à dire pour vous faire pendre sans délai. Eh ben voilà une préface un peu lugubre pour entrer en matière de galanterie. Ah, illustre virtuose! Au lieu de soupirer des romances, vous transmettez au duc de Guise une lettre du pape et vous faites la sottise d'y ajouter en marge quelques lignes de votre main. Quelle calomnie scélérate ! Par malheur ! Mon beau cousin de Guise mène de front les affaires d'État avec des activités plus douces. Et un de mes pages a trouvé ce papier béni sur une ottomane de la marquise de Sceaux. Je puis en donner lecture au roi pour le divertir ou bien en conférer avec monsieur le lieutenant criminel. Mais je le garderai là. Comme une relique, si vous obéissez à mes ordres suprêmes. Mais par tous les saints d'Italie, je proteste. Il suffit. Isabelle, parlez. Je n'oserai jamais. Hâtez-vous, il le faut. Comment cela? Il s'agit de mon élève innocente. Je suis charmé de cela, ils font toujours en venir là. Vous êtes
Et nous sommes morts de désespérance.
sont les gouttes d'eau glacée qui se promènent sur mon visage. Oh, quand je vais me retrouver face à face avec cette peste de... Comment ? Te voilà ! Oh, c'est toi, mon camarade chéri ! C'est moi ! C'est moi ! Tais-toi ! Un soupçon de tourmente ! Pas une figure qui ne déplaise aujourd'hui ! Et je ne sais pas si toi-même... Moi ? Oui. Tu as déjeuné avec ce cavalier de la Navarre, le baron de Mergy. Tu dois savoir ce qui l'attire ici. Non. Écoute, j'étais chez la reine-mère. On a annoncé ce jeune ambassadeur. Qu'il entre, a dit le roi, mais il n'aura qu'une seule audience. Et Catherine, avec son sourire diabolique, a tout de suite ajouté. Sans doute, qu'il reparte. Nous avons assez de galants cavaliers à notre cour. Les superandu péardes sont tenutés, laissés. Soit par hasard, soit à dessein, son œil perçant s'est dirigé vers moi. Cette femme est une sorcière en fait d'amourette. Et aussitôt, elle rit des tempes, m'est revenue dans l'esprit. L'embarras de ces dames, le trouble de Mergy. Il est du même pays qu'Isabelle. Il peut l'avoir connue. Ah ! Si c'était vrai, si je découvrais quelques ruses autour de moi, toute la cour, mon Dieu, viendrait au bout de ma rapière. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un chrétien pareil? Que dis-tu? Rien. Oh mais mon cher ami, mon tendre ami, tu es fou. Toi, les rivaux. Mais je suis humilié de ta modestie, oui. Il s'agit bien d'Isabelle, ma foi. La crème de Navarre ne serait pas de cet avis. Qu'est-ce à dire? Se souvient-il du séjour dernier que fit Marguerite en Gascogne? Hein? C'est là que le tendre Mergy, séduit, enivré par Laurent et la coquetterie de la princesse. Quoi? Aurait-il osé? Oui, il a osé. Je crois même qu'il a bien fait. Apprends donc un secret dont je suis confident. Tu vois comme je te suis fidèle. Oh, tu m'impatientes. Attends! Ce soir, la compatissante Marguerite se débarrasse d'Isabelle en l'envoyant au bal. Et elle reste là pour y recevoir les jeunes fous qu'elle a ensorcelés. C'est possible. Oui, et c'est moi qui suis chargé de l'introduire par la petite porte là. Par la petite... Mais tout s'explique alors. Ah, tu vois bien? Oui, le propos de Catherine. Sur les galants de Navarre. C'était pour sa fille. Ouais, c'est amusant. Ah oui, par Dieu. Oh, et ben, voilà ta mascarade. Et moi, je vais chercher Isabelle. À chaque pas, je m'enfonce un peu plus. Oh,
baleine téméraire. Ensemble. Il y a ici quelque tour infernal. Ma marraine, selon vos ordres et depuis une heure... C'est toi, Nicette. Mais oui, c'est vrai, ta dot. Je m'en souviens. Quand vous voudrez, avec plaisir. Monsieur Giraud, qui a beaucoup de vanité, vous supplie avec moi d'assister à la cérémonie. De votre mariage? Pourquoi non? C'est demain, je crois. Oui, à 6h du soir. Ça ne vous gênera pas, vous passerez la rivière avec la fraîcheur. À quelle église vous mariez-vous donc? Sur nos terres, madame. À la chapelle du Pré au Clair. C'est le ciel qui me l'envoie. Vous viendrez? Je te le promets. Et mon chapelain me suivra. Votre chapelain? Mais sans doute. Je veux qu'il marie ma filleule. Est-il possible? Écoute bien. Ciel, on vient déjà. Va m'attendre. Ah, oh, madame. Je suis dans l'ivresse. Au comble de la joie. Et le roi m'ordonne de venir vous annoncer mon bonheur. Expliquez-vous. À peine étions-nous près du roi qu'il prit la main d'Isabelle, la plaçait dans la mienne, et s'adressant à monsieur de Mergy, « Monsieur l'ambassadeur, a-t-il dit, cette jeune comtesse ne quittera pas notre cour pour aller choisir un époux si loin de nous. Je la donne au marquis de Comminges. Allez, portez ma réponse au roi, votre maître, votre mission est terminée. » Qu'entends-je? Quoi? Si peu d'égard, bras d'envoyer du roi, mon époux, et ordonner si brusquement son départ. Voilà ce qui l'affâche. Monsieur de Mergy est sans doute sorti sur le champ. Oui, madame, mais peut-être est-il... Cela change tout. Il ne pourra venir. Il se désole. Quant à Rémy, il n'osera jamais me l'amener. Je vois, madame,
que le renvoi de monsieur de Mergy vous étonne et vous blesse. Moi ? Mais que m'importe ? Rien ne peut m'étonner. La reine de Navarre est résignée à tout ! Adieu, monsieur de Comminges. Retournez au bal. Le bonheur vous y rappelle. Je reste seule, moi. Je suis en disgrâce. Je vais lire, écrire, rêver, que sais-je. J'aime parfois la solitude. Adieu ! La rusée coquette. Je me résigne. Je ne vais pas la solitude. Eh bien, sur mon honneur. Je m'intéresse à Mergy. Depuis que je sais qu'il était pris de la reine. Ah ben oui, on se le trouve aimable, les gentils cavaliers. Je lui offrirai mes services si je puis prolonger son séjour à Paris. Ah, par exemple. Il serait assez plaisant qu'en parlant de lui. Diable, quoique je ne sois pas censé être dans la confidence. Ouvrons-lui. Entrez, entrez, monsieur. Que vois-je ? Votre surprise est naturelle. Vous ne vous attendiez guère à être reçu par moi. Vous devez vous étonner aussi, monsieur, mais vous savez... Eh, mon Dieu, je sais tout. Vous deviez arriver secrètement à cette porte. J'étais là et je vous l'ai ouverte. Il est vrai, je venais... Il suffit, vous dis-je, que diable, c'est tout simple. La reine vous protège. Elle est compatissante, sensible. Rien de mieux. Je suis trop amoureux moi-même pour trouver étonnant que vous le soyez aussi. Par malheur, vos amours demandent un peu plus de mystère que les miennes. Vous êtes obligé de cacher le véritable but de votre voyage à Paris. Quel discours ! Mais on refuse à la Navarre l'objet de vos désirs. Il faut repartir seul et cet ordre du roi vous déçoit beaucoup. Monsieur, je ne saurais comprendre quel dessein vous me tenez en tel langage. Oh, vous faites le discret. Me croyez-vous jaloux de voir un Béarnais venir rendre hommage à une belle de la cour de France? Mais non, mais je suis trop heureux pour rien en venir aux autres. Et je souhaite de tout mon cœur une chance favorable à vos tendres désirs. Puisque vous savez le secret de mon cœur, je ne saurais souffrir que mon malheur devienne pour vous un sujet d'ironie. Mais perdez-vous la raison. Finissons. Mais comment finissons? Si peu d'intelligence, un champion tel que vous. Une provocation? Oui, je prends votre rôle. Vous m'entendez, enfin? Très bien, soyez tranquille. Ainsi donc. Demain. En quel lieu? Par Dieu, au pré au clair. À quelle heure? 7 heures du soir. Il suffit. Je te dis, silence, à tous avec le monde. Cachant notre dessein. Thank you.
qu'est-ce donc, chère Isabelle? Oui, mais c'est que fait pour moi. Ainsi, je compte sur vos ailes.
ses amis, j'en suis, tous ses amis, j'en suis. Thank you.
serment conjugal, et je n'aurais jamais pensé qu'on fût de si mauvaise humeur le premier jour de ses noces. Hein? Je suis très mécontent, Madame Giraud. Et pourquoi donc, Monsieur Giraud? Vous le savez fort bien. Hier soir, en sortant du Louvre, vous m'avez délaissé pour vous suspendre au bras de Monsieur de Mergy. Il est venu loger dans mon hôtellerie et pendant tout le repas, vous avez changé des mines et des regards qui m'ont fait faire la grimace. Et pour finir, sachez que j'ai passé la plus mauvaise nuit, que je vous guette depuis ce matin et que je veux savoir pourquoi, au point du jour, ce seigneur Bernet vous attendait auprès de la chapelle et pourquoi vous êtes entrés ensemble. Et quand j'y suis accouru moi-même, je n'ai trouvé que vous, les yeux fixés sur un tableau pour déguiser votre embarras. Eh bien, oui, indiscret que vous êtes. Oh. Oui, j'ai fait cacher Monsieur de Mergy. Ah, il y a donc du mystère. Pourquoi? Que vous importe? Comment que m'importe? Apprenez, madame, que les Giraud, quand ils se marient, ont l'habitude de prendre une épouse pour eux, et non pour les ambassadeurs de l'Emma. Apprenez, monsieur, que quand les Giraud se donnent les airs d'épouser la filleule d'une reine, leur femme a bien autre chose à faire que de causer avec un mari. Ah oui, vraiment. Vantez-vous-en de votre marraine, comme elle est de parole, comme elle est venue à mes noces. Je n'ai vu que son chapelain. Entêtez. Mais ces deux femmes voilées, et sous de simples habits, pendant que nous étions à l'hôtel. Quoi? Sont restés avec le chapelain quand nous sommes sortis et qu'on a refermé les portes. Quoi? La reine est ici? Vous me faites pitié. Tenez, voilà ma dot, innocent. Mais comment se fait-il? Silence, on sort de la chapelle. On vient ici? Fermez les yeux, partons. Pourquoi? Venez, vous dis-je, apprenti courtisan. Oh, quel secret! La vie de l'argent qui l'a convoisé. Aujourd'hui,
et qu'après tant de fatigue et de tribulation, je suis encore forcé tout à l'heure de tirer ma rapière au service de ce pauvre commun. Lui, qu'il va-t-il dire? Commun? Il est ici. Non, pas encore, mais bientôt. Pour se battre. Bah, sans doute. Et quel est son adversaire? Je l'ignore. Je respire. S'il nous aperçoit. Oh, Dieu nous en préserve. C'est ici le lieu de son rendez-vous. Il faut quitter la place. Il a raison, madame. L'annonce qui se fait ici a servi de prétexte à votre sortie de Louvre. Et en attendant la nuit, il serait plus bon de paraître chez ces bonnes gens. Lui, je vais le cacher ici proche chez un de mes amis. Et quant à l'horloge du Louvre, il sonnera à 8 heures. Vous reviendrez ici. Je la mets dans vos bras. Et vite, à cheval. Oui. Venez, mon enfant, évitons les soupçons et les regards jaloux. Adieu. Et n'oubliez pas. Non, à l'horloge du Louvre. On est plus de 8 heures. Ici même. Il suffit que je... Le ciel daigne veiller sur elle. À nous maintenant. Ah, vous m'avez sauvé. Mon port, quel transport. Ah, qu'il vienne à présent. Qu'il vienne, qu'il sort. Qu'il entre. Comminges, je l'attends. Plaît-il? Oui, c'est moi qui viens chercher. Comminges? Mais d'où vient la querelle? Silence. Mais voici. Dieu vous garde, messieurs. Comme il est gai, je ne comprends rien. Allons, messieurs. À nous deux, s'il vous plaît. Autant qu'il vous plaira. Mais je ne me soucie pas de vous tuer, moi. Il ne s'agit ici que d'une ou deux égratignures pour ce mot malencontreux qui vous est échappé. Comment cela? Il s'agit d'un mot? Oui, c'est incroyable. Il s'est mis en colère parce que je l'ai félicité sur ses amours. Ses amours? Mais oui, je savais par toi sa flamme secrète. Et tout en plaisantant... Moi, je... C'est vous qui nous avez trahis. Moi? Tu comprends? Pas du tout. Répondez. Ouais, doucement. Tiens, l'accent reprend. Misérable. Eh, quel mal. Mais je vous blâme tous. Les traîtres, les jaloux, votre cour si perfide. Celle que j'aime est à moi, pour jamais, et la mort seule peut me séparer d'Isabelle. Isabelle? Je frémis, je frissonne, mais c'est donc qu'il est drôle. La tournée, je sais pas, moi je disais, j'avais pas. Cet amour qui l'entraîne, mais non pas pour la reine. Les jours, on disait, j'étais dans ton jouet. Cher ami, je t'en prie, trahison perfidie. Je croyais, attends-moi, après lui, c'est à toi. Thank you.
votre cœur. Quelques jouets le veillent ce soir au bord d'honneur. Ami, notre partie ne nous coûte pas tant. Ils vont jouer le vieux, nous jouons leur argent. Ils vont jouer le vieux, nous jouons leur argent. Messieurs, entendez-vous l'annonce? Oui, nous voilà, dans un instant. Ami, notre partie ne nous coûte pas tant. Ils vont jouer le billet, nous jouons leur argent. Ils vont jouer le billet, nous jouons leur argent.